Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Wikivlog, pas du tout. Oh non, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, Vlogmas numéro 6. Alex, hey, c'est pas trop compliqué, c'est juste l'intro. Si déjà tu galères avec l'intro, la fatigue. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas numéro 6 et c'est parti. Nous sommes lundi, lundi, ça y est, c'est reparti pour la semaine. Comme vous pouvez le voir, voilà, à part que je suis encore un peu blanche, mais ça va beaucoup mieux. Non, oui, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai un peu la gorge irritée, mais je pense d'avoir à force mouché, etc. Du coup, forcément, j'ai mal au fond de la gorge, là, voilà, au niveau de la... Bah pas de la glotte, mais là, voilà, au niveau du glutinage, j'ai un peu mal, je pense que c'est irrité, voilà, donc... mais sinon, ça va mieux, je suis encore... alors, j'ai de la forme, je suis pas la niaque, mais c'est aussi parce que, pendant tout le week-end, j'ai quasiment rien mangé, voilà, si c'est pas pour dire, enfin, si, peut-être sur l'équivalent de 3 jours, j'ai dû faire un repas. Sur tout ce que j'ai mangé. Samedi, j'ai rien avalé de la journée. Et dimanche, un tout petit peu. Voilà, j'ai dû manger ça. Et à midi, j'ai mangé un yaourt et puis aussi le reste de ma petite assiette. Voilà, donc pourtant j'avais fait un gratin de poireaux. J'adore ça, justement. Je me suis dit, je vais faire un truc que j'aime. Au moins, je suis sûre que je vais le manger. Mais en fait, j'ai mal au ventre, je suis rassasiée. Tout de suite, mais moi je sais pas, mais moi en fait dès que je suis malade, j'ai mon estomac qui dit stop, on coupe tout, on mange rien, même si c'est pas forcément, vous savez, les intestins, la gastro, les trucs, enfin bref, si c'est pas même, voilà, même une grippe, une rhino, un truc, moi tout de suite mon estomac il est block out, il coupe tout, moi je veux plus rien faire, moi je mange rien, j'ai mon corps qui se concentre sur mes virus et par contre il est même plus capable de faire tourner mon estomac, donc c'est un peu une catastrophe. Bon, là-dessus, du coup, là, vous voyez pas, mais j'ai le ventre extra plat. Là, franchement, j'avais chopé une toute petite bouée. Bah là, la petite bouée, elle est partie, hein. Donc, je vais pas me plaindre, mais c'est en fait, c'est des kilos qui sont partis là parce que ça fait 3 jours que je mange quasiment rien. Donc, c'est ridicule. Donc, voilà, mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas grave. J'aimerais bien perdre plutôt les kilos qui sont sur les fesses plutôt que le ventre, quoi. Sinon, c'est tout, voilà. J'ai donc des colis, on va pouvoir les ouvrir parce que là j'ai quand même un petit peu plus d'énergie, j'ai envie d'ouvrir mes colis et vous les montrer donc mes achats Black Friday et Cyber Monday. Et puis en attendant, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. C'est parti, calendrier beauté. Blissim. Voici, alors, bon c'est une grosse boîte mais c'est tout petit, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, c'est vraiment petit, oh un tube, un mito-tube tout léger de la marque Glim, oh c'est pour All Eye, ok, qu'est-ce que c'est? Vegan, donc c'est un contour des yeux défatigant, voilà, pour les yeux, un contour des yeux pour les yeux. Je suis désolée, hein, je vais peut-être avoir un peu de mal parce que j'ai mon cerveau encore un peu embué. Donc voilà, un petit contour pour les yeux de la marque Glim. Glossy Box. Alors, c'est lourd. C'est lourd, c'était une grosse case, mais c'était un os. Style cream, Maria Nila, crème coiffante. Ah, c'est une crème coiffante. Je croyais que c'était une crème pour le corps. Je me suis dit, ah, ça y est, une crème pour le corps à la pêche. Parce que regardez la couleur un petit peu. Et en fait, non, c'est une crème pour les cheveux. Mais alors, c'est quoi? 100% vegan, crème coiffante. Je vous avoue que moi, les crèmes coiffantes, j'en ai pas l'utilité non plus, quoi. C'est pas trop mon style. D'ailleurs, en parlant de cheveux, j'ai reçu un colis que j'ai acheté sur AliExpress. Faut absolument qu'on le regarde. Et va falloir qu'on le teste ça en vidéo. Mais j'ai trop hâte.
J'ai trop hâte de voir la tête du colis du produit en fait. Vous allez être comme moi, je pense. Bref, on verra ça après. Mais oui, c'est en rapport avec les cheveux, c'est pour ça. Mais ouais, bon. Voici. Mais clairement, bah là, c'est pareil. C'est un produit que. Alors, je regarderai sur internet, mais je ne pense pas garder parce que clairement, moi, sur mes cheveux, j'utilise pas grand-chose en fait. Look fantastique. Ça y est, j'ai trop parlé. Alors, je vous disais que ça allait super bien et là je vais me taper une quinzaine de tout. Ah, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai une quinzaine de tout. Du coup, j'ai pris mon verre. Je pense que j'ai trop parlé. Je vais parler un peu moins. Donc, look fantastique, nous avons, je suis déçue, de la marque Paradox, c'est ça? Paradox, oui. C'est le 3-en-1 conditionneur, masque et crème de finition. On l'a déjà reçu dans une box. Et bah, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais peut-être le tester avant pour me dire, peut-être que du coup il est génial. Mais sinon, bah, je ne le garderai pas parce que clairement, voilà, j'en ai déjà eu un. Donc, je n'ai pas besoin d'en garder un deuxième. Sauf si je vous dis qu'il est génial, mais je ne suis pas convaincue. Voilà. Je ne suis pas convaincue. Donc, next. Yves Rocher. C'est vraiment vachement aléatoire. Hein. Autant hier, bah, je trouve que les produits de beauté, c'était cool. Autant aujourd'hui, c'est pas terrible. Nous avons... Un cheveu terne et ah j'aime beaucoup ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. C'est produit pour les cheveux, vous savez, comme du vinaigre de rinçage, tout ça. Là, c'est pour la brillance cheveux terne. Ça donne de la brillance aux cheveux. Voilà, c'est des petits trucs à mettre après le shampoing. C'est sans rinçage, il me semble. Et celui-ci, il sent pas mauvais parce que vous prenez des trucs au vinaigre. Après, c'est bon, vous avez les cheveux qui sentent le vinaigre, c'est la mort, quoi. Mais celui-ci, il sent bon. Et du coup, je trouve qu'effectivement, ça donnait un joli brillant aux cheveux. Donc, ça, c'est chouette. C'est très, très chouette, ça, par contre. Comme quoi, Yves Rocher, hein. Ils font des super produits. Nuo. Enfin, Nuo Box, hein, je dis toujours Nuo, voilà, on est entre nous, hein, on parle de façon intime. Voilà. C'est un crayon. Ah non, c'est pas un crayon. Ah la marque Méden. Ah non, c'est pas ça. Concentré contour des yeux. Je rigole pas. 318, Eye on One. Eye on Me. Pff, regard fatigué. Voilà. Ok. Bon. Alors, un produit comme ça, moi, je trouve, je l'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, voilà, quand c'est en verre, tout ça. Je trouve que ça fait hyper quali, le bouchon noir, tout ça. Ça doit être un roll-on, d'ailleurs, je suppose. Je trouve ça super chouette, mais... Pff, contour des yeux, j'en ai déjà... Vous imaginez, le Eglim, celui-ci, j'ai que deux yeux, et mes contours des yeux, moi, j'ai un tout petit visage, donc... mes yeux sont tout petits, donc... Mais ça, j'en ai pour une vie, quoi. Donc, j'arrive jamais. D'ailleurs, je pense que vous le voyez dans mes produits terminés. Vous voyez rarement des contours de yeux parce que je mets une éternité à les finir. Une éternité. Donc, pardon. Donc, je ne sais pas, mais je suis pas sûre de le garder. Donc, case numéro. Par contre, je vais baisser un peu parce que du coup, on voit rien. Case numéro 6 du calendrier Natasha. C'était, je dis c'était, de la marque Beauty of Jizen, le Ginseng Essence Water, donc une eau à l'essence de ginseng. Alors je dis c'était parce que la case est vide. Oui, la case est vide. Comme le Homsaï. Alors Homsaï, autant, j'ai quand même un doute. Que la pierre soit tombée quelque part parce que franchement l'ouverture entre les cases elle est minime ou alors c'est vraiment que la pierre était minuscule mais vu la taille des pierres j'ai un doute sachant que je vous dirai un petit peu après Omzae bref mais là Niacha il n'y a pas de possibilité qu'il glisse quelque part quoi donc on verra ah, et tout le calendrier vont pas me faire le coup quand même quoi.
Sachant que là, c'est embêtant parce que du coup, je ne sais pas. Alors, c'est parti, Dégustabox. J'ai mis 3 ans encore à trouver la case, mais j'ai repéré celle pour demain. C'est déjà un bon point, non? Nous avons une bouteille d'eau, Volvic, Cassis Romarin. Bon, je la connaissais pas celle-ci, pourquoi pas. Par contre, c'est une bouteille. Non, bah non, c'est en partenariat avec je sais pas qui, Diego Alari. Bref, ok, bon, c'est toujours pratique, mais franchement, ouais. Ouais, quoi. Dans un calendrier, c'est pas vraiment ce que j'attendais, moi. Hein. Peut-être un truc avec plus de bulles, plus festif, genre du champomy, quoi, ou un truc, voilà, pour grands adultes. Que de l'eau. Bon, c'est bien après les fêtes aussi de boire de l'eau, hein. Ça permet de digérer. My Muesli. Nous avons. J'ai du mal à reconnaître. C'était, qu'est-ce que c'était? Je connais pas du tout. Imagine White, Raspberry et framboise et pistache, pardon. Donc c'est du chocolat blanc à la framboise et à la pistache. Je connais pas une tablette de chocolat. Excellent. Bon, je trouve ça super génial qu'il y ait ça. Je savais pas. Donc ça, c'est super cool. Vegan et tout. Trop bien, j'ai hâte de goûter un petit bout pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Enfin, à quoi ça ressemble, quel goût ça a. Je vous tiendrai au courant quand je goûterai. Le Kusmiti, on a une très jolie boîte, une boîte de Noël. Voilà, le Kusmiti, c'est le Glauk. C'est ça. Ça a l'air, c'est ça, le Glauk. Donc apparemment c'est une boîte avec vraiment une grosse boîte avec du thé à l'intérieur. Je trouve ça génial, je trouve ça super génial. Ça c'est cool, ça change du petit thé, là il y en a quand même plusieurs hein, pour en faire plusieurs. Calendrier des bières, on a cette fois-ci la cuvée des trolls. Bah, je pense que c'est de chez nous ça. Bière, servage, bière, je sais pas trop. Je sais pas d'où c'est, du buisson. Brasserie Belgique. Ah non, c'est en Belgique. Ça vient de Belgique. Mais bon, après vous avez dû peut-être remarquer que je suis moins en joie avec ce calendrier-là que l'année dernière. Mais je vous avoue que les bières blanches, c'est pas ce que je bois le plus, quoi. Après, il y en a qui ont l'air bonnes, hein, mais pas toutes. Et voilà, quoi. Donc je vous avoue que. Si je dois me boire une petite bière, je vais plus partir sur une blanche ou un truc un peu exotique ou voilà quoi, qui change un petit peu, qui a plus de goût, qui est plus fun qu'une simple bière, voilà, comme ça. Les Madeleines, la maison Colibri. Nous avons, regardez ça, cette petite merveille. Une merveille. Voilà, donc c'est une madeleine au citron avec des petits éclats meringués. Voilà, c'est comme une tarte au citron, mais à la madeleine. Ça a l'air bon. Alors, je vous avoue que là, c'est les 3 derniers jours. Je ne les ai pas mangés, en fait. Hein. Voilà, je ne les ai pas mangés, je vous l'avoue. Voilà, peut-être qu'à chaque fois, je vous ai dit, oh, un délice. Mais en fait, j'en ai mangé que deux. Les autres, bah voilà, le fait d'être malade, je vous dis, je ne mange plus rien. Donc, même les madeleines qui avaient l'air bonnes, j'arrivais pas. Mais là, l'appétit commence à revenir et j'avoue que celle-là, vraiment, celle-ci, j'ai vraiment envie de la manger. Donc, je pense que demain, on la mangera, quoi. Voilà. Et mais elle est vraiment super sympa, comme calendrier. Vraiment super sympa. Alors, calendrier Omzae, nous avons une cornaline du Malawi. Voilà. Et là aussi, elle est très jolie. Très jolie. Regardez, petit ombrage orange. Clair, un peu rose comme ça aussi, voilà, elle est vraiment très très jolie, très jolie, vraiment très jolie Pierre, yes, j'aime beaucoup ces petits effets, ça fait un petit peu effet fumé comme ça, j'aime beaucoup l'effet fumé. Dans la Witches, hop, je récupère le petit médaillon pour les photos. Oh. Ah oui, mais en fait, un jour sur deux, on va avoir une bougie. Oh, bon. Encore une bougie. Elle est violette cette fois-ci. Après, verte, jaune.
Oui. Et Violette. Ah, elles sont bonnes encore celles-là. Elles sont bonnes. Elle n'est pas trop forte. Elle a une bonne odeur. Ouais, une bonne odeur encore celle-là. Mais bon, là, c'est la Sweet Dream. Voilà. Mais ouais, je suis un peu déçue d'avoir une bougie tous les 2 jours en fait. Je suis un peu déçue. J'avoue que moi je prenais ce calendrier pour avoir des accessoires, des trucs un petit peu de sorcière entre guillemets quoi. Enfin voilà, vous imaginez bien quoi. Des trucs, je sais pas moi, de la sauge, tous les trucs comme ça quoi. Des pierres, des trucs de protection ou de purification, enfin bref, plein de choses quoi. Et là, des bougies. Alors oui, c'est sûr, vous vous en servez pour lors de vos méditations, etc. Mais ouais, enfin bon. Moi, j'utilise pas ce genre de choses pour mes méditations. Avine May. Alors. Alors, nous avons la North Pole Santa Workshop. Ah, la maison du Père Noël. Elle sent bon. Elle sent le sucre. Elle sent peut-être la canne à sucre ou la barbe à papa, je sais pas. Oh, ça sent le sucre. À mort, à mort. Oh, elle sent divinement bon. Voilà. Encore une fois, je serais peut-être surprise par les articles. Oh, hier, vous avez vu, elle était divine avec tous ces petits fruits-là. Franchement, elle sentait trop bon. Mais celle-là, elle sent la vanille. Ouais, il y a un truc sucré, hein. Méga sucré. Mais ça sent trop bon. Ça, celle-ci, je vais bientôt la faire brûler dans la maison. D'ailleurs, je vais commencer à les faire brûler. Parce que 8 h, comme je vous disais, bah, de temps en temps, la journée ou le soir, quand je rentre, hop, je l'allume. Et puis comme ça, pendant 3-4 heures, ça va brûler dans la maison. Puis la petite bougie, elle me durera au moins 2 jours, quoi, voilà. Sera cool. Et on finit avec Purelé. J'ai eu un doute à un moment si c'était pas 9 ou 6, mais non, ça ressemble quand même plus à un 6. C'est tout léger, on pourrait croire qu'il n'y a rien dedans. Après, c'est toujours surprenant hein, chez eux, mais alors, ah non, il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Des boucles d'oreilles encore? Ah, yes! Ah, des. Ah, ça m'intéresse. Je crois que ça m'intéresse. Viens ici, coquine. Viens ici, coquine. Yo, c'est beau. Je suis contente. Ah, yes, c'est beau. Yes, c'est très, très beau. Ah, oui. Ce sont des petits clous. Voilà. Allez, focus. Voilà, des petits clous en forme d'étoile. Regardez ça. Elles sont magnifiques en forme d'étoile. Ah, alors ça, à la place de mes petits clous de piercing là, oh, ça va être joli, ça va être joli à la place de mes petits piercings. Oh, bah celle-ci, j'ai hâte de les mettre à la fin de. Ouais, ça va faire trop beau. Regardez, ça va faire trop beau. Je suis trop contente. Elles sont belles. Elles sont juste pas trop grosse ni rien, mais idéal en fait pour je trouve pour un deuxième trou. Pour un seul trou, moi je en fait j'aurais pas eu les oreilles percées, je les aurais pas trouvées terribles. Je vous avoue, je les aurais pas très tôt, trouvées terribles. Je les aurais proposées sur Vinted. Mais là, clairement, ah non, pour un deuxième trou, je trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un deuxième trou, ouais, trop belle. Avec le petit strass et tout. Donc voilà pour les calendriers. Et bien du coup, bah là je vais faire mes petites photos, mes petits trucs. Et puis on se retrouve pour l'ouverture de quelques colis. En fait, j'ai fait ma maline en vidéo et tout ça. Mais en fait là, je pense que j'ai trop parlé. Et j'ai trop mal à la gorge. Donc j'aimerais me taire. Voilà. Et puis, pour m'en poser un peu. Parce que là, il y a mal à la gorge. Bref, je vais passer à l'instant concours et après j'ouvre deux colis sur les quatre. Voilà, comme ça, puis demain, on enchaînera. Donc, instant concours, je vous propose de remporter un eyeliner de chez Eliska. Voilà. Est-ce que vous avez le focus? Voilà. Je vous propose de remporter ce liner. Donc, si vous souhaitez remporter ce liner,
Comme d'habitude, hein, être abonné à ma chaîne, liker, commenter. Après, vous pouvez très bien commenter ma vidéo sans participer. Hein, certaines le font d'ailleurs. Là, je vais aussi, j'en profiter, mais je vais liker quelques commentaires. Et puis, ouais, oui, voilà, ouais, je vais faire ça. Bref, donc voilà, si vous intéresse, et également de remplir le Google Form qui est juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Voilà. On va ouvrir, donc je vais vous montrer mes chaussures. C'est pareil, je me suis dit, oh bah chouette, je vais pouvoir les tester. Je pensais pouvoir les tester samedi, mes chaussures. Je me dis, voilà, au cas où ça n'aille pas, au moins je les enverrai. Et puis bah, samedi, j'étais vraiment au fond du trou. Et puis là, franchement, j'ai trop mal à la gorge. Bah, demain, je vais pas pouvoir faire du sport parce que là, pour respirer tout ça, je vais pas pouvoir. Donc cette semaine, je vais pas faire de sport. Voilà. Ou peut-être je vais faire du sport à la maison, mais du coup je pourrais pas tester les chaussures. Donc j'ai les boîtes de renvoi, mais je vais tout garder au cas où. Je crois que j'ai 14 jours pour les renvoyer. Je vais quand même les essayer, je les mettrai au pied. Allez, hop, je les ai pas vues. Oh, elles sont belles. Elles sont belles, regardez. Voilà. Je les trouve très jolies, super jolies. Voilà. Donc c'est la marque si ça vous intéresse. C'est les Equi, c'est les Equi 21 Run. Je me donne la référence. Et j'ai pris ma taille, il me semble, parce que sa taille correcte. J'ai pris une 38, c'est ma taille. Je vous ai pas montré en dessous. Et voilà. Je les trouve super jolies. Donc voilà, et ensuite, alors ça c'était pendant le Cyber Monday, les Adidas, et j'ai passé commande sur deux sites. Pour le Black Friday, une c'est Waterdrop, mais je viens enfin de recevoir la commande, donc je vous la montrerai demain, parce que c'est toujours un peu long, à commander. Je vous avais dit que j'étais passée en magasin, vous savez, j'ai découvert des nouvelles pastilles super bonnes, et du coup, c'est ça que j'ai recommandé. Je leur recommandais 2-3 trucs, voilà, comme c'était les Black Friday, ça valait le coup quand même, c'était hyper intéressant. Donc j'ai repassé une petite commande et là c'était sur alors là c'est d'une youtubeuse instagrammeuse qui s'est lancée là-dedans. J'ai hâte de voir. Je crois que c'est ça. Hein. Alors voilà, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez la marque. C'est Yashi. Voilà, la marque Yashi, c'est méga, méga lourd. Alors par contre, je ne vous cache pas, ça coûte un bras. Je trouve ça hyper, hyper cher. Mais ça a l'air de très, très bonne qualité. Et j'avoue que j'ai utilisé les Black Friday pour commander parce que je l'avais, mais ça revient très cher. Donc voilà, je vous mettrai le site en barre d'informations si ça vous intéresse. Peut-être qu'elle refera des codes promo ou quoi que ce soit. J'ai pris, donc c'est une bougie. Voilà, okay, le petit dépliant, c'est super joli. C'est de la youtubeuse Jill. Voilà, je sais pas si vous connaissez Jill, j'adore Jill avec sa meilleure amie Cameron. Cameron. Gaëlle Garcia. Cameron Diaz, je voulais dire Gaëlle Garcia. Franchement, je les adore. Et donc, j'ai pris une petite chaîne chez eux en plus. Et en fait, une bougie. Trois mèches. Qui est juste immense. Et il y a un petit pochon. Ah, c'est sûrement pour mettre le petit bijou. Parce qu'en fait, c'est une bougie avec une pierre à l'intérieur. Moi, j'ai pris la noire. Voilà. Mais regardez, elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Alors, donc, j'ai pris la noire. La noire, il y a une pierre à l'intérieur. Voilà, vous savez, comme les bougies. Bijoux. Et il y a une pierre, c'est une tourmaline noire qui est à l'intérieur, assez grosse, hein. Franchement, elle est assez grosse. Et donc, du coup, sur leur site, j'ai pris également une petite chaîne, voilà, qui vendait également. Je vous avoue qu'avec le code promo, la chaîne m'est revenue gratuite.
Elle est juste magnifique, elle est énorme. Alors la bougie dure 60 heures. Ouais, donc voilà, vous avez 3 mèches, 60 heures de diffusion. Donc hyper, hyper, hyper grosse quantité. Elles sont super bon. Donc la fragrance, comme ça je vous dis, pour la noire. Alors il existe plusieurs couleurs, je vais vous dire. Note de tête, menthe poivrée, bergamote. Note de cœur. Labdanum fruits confits et note de fond patchouli, vanille et fèves de tonka. Effectivement, on sent la vanille et le patchouli, moi je trouve. Après, comme je l'ai un peu bouché, forcément, je ne sens pas toutes les odeurs, mais c'est vraiment très doux, bon, doux, suave. Vous avez donc soit une bleue avec une aigue marine, l'améthyste. Voilà, c'est une bougie violette avec une pierre améthyste, la citrine également, vous avez, et quartz rose. J'avais hésité avec la quartz rose, et puis finalement, je trouvais que la tourmaline, au niveau des pierres, elle m'intéressait, au niveau de sa signification. Donc, elle vous protège contre des énergies négatives, nettoie l'aura et absorbe les ondes électromagnétiques. Elle disperse également les tensions, le stress et soulage les angoisses et l'anxiété. Donc je trouvais que c'était une pierre qui était intéressante et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi de porter. Donc voilà, après chacun pense ce qu'il veut, je l'ai toujours dit pour les pierres. Mais voilà, je voulais vous en parler. Je vous mettrai le site. Comme je vous dis, voilà, c'est un beau budget. Mais avec un petit code promo, un moins 10, un moins 15% comme elle a fait, franchement, bah, ça valait plutôt le coup. Donc voilà. Elle est juste magnifique. Magnifique. Et puis franchement, dans une boîte, vous offrez, ça fait une très jolie boîte d'ouverture de cadeau, quoi. D'ailleurs, je vais la remettre dedans, je l'utilise pas encore. Donc voilà pour mes achats. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis donc demain pour une meilleure journée encore. Hein. De toute façon, je pense que je suis plus vers la fin que vers le début de quelque chose. J'espère juste que ça ne va pas durer des jours et des jours et des jours. Ça, on verra bien. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à demain. Ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish